Les 2 jours de l'Aïd sont passés. Seulement voilà, certains ont décidé de prolonger leur repos. Nous sommes dimanche, la semaine vient tout juste de commencer et l'on constate que certains magasins de la capitale ne lèvent toujours pas le rideau. Une situation qui cause le plus souvent des files interminables, notamment chez les boulangers. Certains citoyens, plutôt compréhensifs, estiment que c'est normal vu que lors d'occasions telles que celle-ci, tout le monde a droit au repos. Qui dit une fête comme ça, l'Aïd ? Lors d'une fête comme l'Aïd, l'employé doit lui aussi se reposer, surtout s'il habite loin. Je pense que le citoyen doit donc prendre ses précautions. Parce qu'au FMI, il doit se reposer. D'autres, bien au contraire, considèrent que les magasins devraient reprendre du service, imputant cette situation à l'absence de surveillance. C'est comme toute chaque année. Bon, je suis arrivée, je viens d'une autre ville et je suis vraiment surprise de voir que tout est fermé. On se croirait presque au mois du Ramadan alors que c'est la capitale. Normalement, tout devrait être ouvert. Alors, ils doivent faire des instructions par rapport à ça. Il n'y a pas de contrôle ni de surveillance, même si quelqu'un veut retirer de l'argent, eh bien les distributeurs ne fonctionnent pas, ce n'est pas logique. C'est pas logique. Il y a une loi qui faut un service minimum dans toutes les administrations. Je fais chez Ricard, à chaque fois, ils disent les agents de sécurité. Ils disent que chez S. Yes, mais ailleurs, il n'y a rien. Un scénario qui se répète à chaque occasion et dont le citoyen reste le seul à en payer les frais.